1947, naissance du terme soucoupe volante. 1991, 44 ans se sont écoulés pendant lesquels j'ai étudié le phénomène OVNI. Je suis donc un ufologue. J'ai baptisé mon premier ouvrage documentaire « Les soucoupes volantes viennent de notre monde » et « Blackout sur les soucoupes volantes » qui était le second, totalement épuisé. Ils vont paraître en janvier 92 aux éditions Vaugirard, Place de la Cité. Il faut savoir que, dès le départ, la communauté scientifique, téléguidée, manipulée par les nations, s'est inscrite en faux, a nié en bloc, a parlé d'hallucinations, de canulars. C'est faux. Ce fut un mensonge. Nous allons le développer au cours de la cassette. Mais ce que la communauté scientifique a à se reprocher, ou que nous lui reprochons, ne peut pas s'adapter à tous les scientifiques. Il y a aussi des scientifiques objectifs et honnêtes. Et par exemple, le professeur Michel Bougnas, qui a créé le laboratoire de biochimie de l'université de l'INRA à Avignon. Il a enquêté sur une chose extraordinaire qui s'est produite à Trans-en-Provence. Bien sûr, il ne dit pas « c'était les Martiens, c'était les Vénusiens, c'était les Ibis ». Il a l'honnêteté intellectuelle de dire ce qu'il a constaté, et ce qu'il a constaté, ça ne vient pas de chez nous. Bien, et alors, il vous est arrivé dans la vie une aventure assez extraordinaire qui a sollicité votre sagacité, et vous avez fait une recherche pour le compte du GEPAN, le Commandement d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, sur lequel je ne porterai pas maintenant de jugement, ça viendra plus tard. Un contrat a été passé entre vous et cet organisme. Et le Centre national d'études spatiales, très exactement, puisque c'est en 1980 que le CNES m'avait sollicité pour savoir si dans des circonstances précises, il serait possible de mettre en évidence un impact biologique de phénomènes aérospatiaux non identifiés. Alors je leur avais répondu que dans certaines conditions, ça pouvait effectivement être possible. Et donc nous avions passé un contrat entre le CNES et le ministère de l'Agriculture pour le cas où. Une semaine après la signature de ce contrat, un habitant de Trans-en-Provence voit un engin se poser dans son jardin qui laisse une sorte d'empreinte photographique dans le sol. Le professeur Bougnas est alors chargé d'analyser les plantes prélevées autour de la trace. J'ai donc fait une analyse très complète d'une série de plantes prélevées sur le centre de la trace, sur la trace elle-même et à des distances de plus en plus éloignées. Je passe sur les détails, en particulier mathématiques. J'ai pu montrer que bien souvent, les effets qui ont été observés décroissaient, diminuaient en fonction de l'inverse du carré de la distance. Alors ça pouvait faire penser à un phénomène, par exemple, de type électromagnétique. C'est un exemple. J'ai essayé de comparer ces effets produits à ceux de produits toxiques, de produits chimiques, de la chaleur, de sources physiques différentes, etc. Je n'ai rien trouvé qui puisse expliquer complètement les phénomènes observés, qui présentaient en plus une autre particularité. Dans ces plantes, le métabolisme fonctionnait un peu à l'envers, comme si en mettant en première, vous appuyez à l'accélérateur, vous partez en marche arrière. Hein. Et au fur et à mesure que vous accélérez, vous avez moins de consommation, tout ça fonctionnait d'une manière anormale. Voilà. Donc il s'est produit effectivement des troubles assez profonds et liés. Donc je suis sûr qu'il y a eu des perturbations biochimiques anormales. C'est de la toxicologie, hein, pure et simple. Ceci étant, dans la limite de ce qu'on peut affirmer au terme d'une recherche scientifique, eh bien, je ne vois pas quoi d'autre que ce qui a été décrit par M. Nicolaï aurait pu produire ces effets-là. Maintenant, quand on me demandait si l'engin est un objet extraterrestre ou pas, alors là, ça, moi, je ne peux pas vous répondre, bien entendu. Ce remarquable travail d'analyse du professeur Bougnas a fait sauter le GEPAN, le Groupement d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, que nous payons avec nos impôts. Cet organisme de recherche qui a pour vocation d'étouffer la vérité. Il a sauté parce que l'analyse du professeur Bougnas est inattaquable. Alors il a sauté, mais malheureusement, d'autres continuent à sévir sous le titre de CEPRA. C'est la même équipe, c'est le même lieu, CNES à Toulouse, Centre National d'Études Spatiales. Le CEPRA, ça veut dire Service d'Études des Phénomènes de Rentrée Atmosphérique. Alors là, c'est toujours la même histoire, ça n'existe pas, c'est du bidon, des hallucinations. Je voudrais rappeler aussi qu'en Union soviétique, pendant la guerre froide, un individu du nom de Vichinsky,
procureur général de Soviet suprême, un véritable barbare, a nié farouchement l'existence de soucoupes volantes, disant que, c'est curieux, on les voit dans les pays capitalistes, sous-entendu où on boit beaucoup de whisky, mais pas en Union soviétique, qui est pourtant un pays de vaste dimension. Nous savions qu'il mentait. En voici la preuve. Grâce à ce que nous déclare un éminent ufologue soviétique, Boris Chorinov. Oui, j'ai été, si vous voulez, comme ça, donc ufologue privé, comme on dit. Oui. Et puis, je suis rédacteur en chef et éditeur de cette revue. Pour mon livre, là, le tirage était important, 300 000 exemplaires. Alors, Boris, quand on a commencé à parler des soucoupes volantes, nous, en France, les critiques, les sceptiques disaient « Oh, ça, il n'y a qu'en Amérique ». Oui, disons, en 54, vous avez eu toute une vague. Tout à fait. D'accord. Mais chez nous, c'était le silence absolu. Et voilà, vers la fin de l'année 50, on a commencé à en parler. Mais justement, comme chez vous, disant que c'était plutôt aux États-Unis et pas chez nous, c'était de la propagande. Tout à fait. Impérialiste. Tout à fait. Oui. Pour endormir les gens, et d'ailleurs il y a des gens qui continuent la même chose aujourd'hui, de l'Académie des sciences. Alors vous nous avez parlé tout à l'heure, hors caméra, d'un cas extrêmement intéressant et récent en Union soviétique, c'est ce petit garçon qui n'était pas allé à l'école parce qu'il était malade, souffrant, et qui s'est amusé à faire des photos à la fenêtre. Eh bien, alors, c'était près de Moscou, à une cinquantaine de kilomètres. C'était au mois de mars de l'année passée. Et voilà ce garçon, qui est là, même, je peux vous montrer, ce petit garçon, souriant. Il est resté à la maison, pour ne pas aller à l'école, en disant qu'il était malade. Et voilà, il prenait des photos de son chat. Et son chat, il en a fait deux. Comme ça, comme vous voyez ici, il y a la fenêtre, il est devant la fenêtre, à un mètre, disons, de la fenêtre, à un mètre cinquante peut-être. Et tout d'un coup, il voit l'apparition d'un objet juste en face de sa maison. Il faut dire qu'il habite au rez-de-chaussée, et en face, il y a une maison à quatre étages. Enfin, les distances sont connues, c'est 80 mètres entre sa maison et l'autre. Alors lui, il comprend que c'est un ovni, il fait la première photo. Mais tout de suite, il s'approche de la fenêtre, il en a fait une autre, et il prend la décision de continuer jusqu'à la fin du film. Et vraiment, on peut parler de la gage. Ici, il y a quelque chose qui ressemble à deux pattes, ou à deux dispositifs, disons, qui s'ouvre pour que ce petit objet puisse sortir. Mais ici, attention, ici plus de pattes. C'est ça, ils sont nettement séparés. Nettement séparés, bon, nettement séparés. Et voilà, on arrive à la huitième séquence. Là, ils se sont bien écartés. Bien écartés. Donc pas de pattes, et vous voyez cet écartement. Et puis, ce qui est très important, le film n'est pas découpé. Ah, alors, ça se présente en entier. Continuité. Continuité absolue. Et chaque cadre est numéroté. Et comme ça, on ne pourra pas parler des trucs, des trucages. Enfin, moi, je vais essayer de faire un document sérieux. Des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de photographies de soucoupes volantes ou d'ovnis existent de par le monde. Nous savons aussi que ces engins se posent. D'autres s'écrasent. On a fait des études, des recherches dans ce domaine. Et à ce propos, Roger Rémy, qui est un chercheur de pointe, qui travaille à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, il y a 25 ans déjà, m'a raconté des choses étonnantes qu'il avait vues. Il est le représentant de l'IMSA, l'Institut Mondial des Sciences Avancées aux États-Unis, et il a eu entre les mains des éléments irréfutables, extrêmement troublants. Je rappelle, la spécialité de Marcel Vogel était d'abord un grand chimiste. C'est le père du disque dur, c'est le père du floppy disk, c'est le père des cristaux liquides chez IBM, détenteur de plusieurs brevets. Donc Marcel Vogel était un grand chercheur déjà dans le domaine de la chimie. Marcel et moi, nous avons eu entre les mains un échantillon, je vais dire un sample, un échantillon de métal qui techniquement n'a pas pu être fait sur Terre. Je m'explique, cet échantillon de métal, toutes les molécules étaient faites de façon synthétique,
a été rapproché de façon synthétique, ce qui est de loin la technique du frittage, de loin la technique de la céramique, et de loin la technique de fusion du métal. Par contre, une très forte probabilité, ce qu'on appelle aujourd'hui de façon très alchimiste, la fusion froide, de cold fusion, auquel personne ne croit. J'ai eu l'occasion d'avoir des débris également entre les mains de corps de ces passagers, pour des mêmes raisons d'analyse. Donc il ne fait pas de doute qu'il y a bien eu des êtres vivants qui ont craché sur Terre, qui ont été récupérés par des autorités américaines. Et les malheureux ufologues qui ont été mêlés à ces histoires-là de près ou de loin ont été souvent l'objet d'accidents ou de crises cardiaques, et parfois même de chantage au silence. Inquiétant, non. Terriblement inquiétant, puisque derrière tout cela se cache une horrible vérité. L'Américain du nom de John Lee, ex-agent de la CIA, a fait des révélations fracassantes vers la fin de l'année 1988. J'ai moi-même reproduit ces déclarations dans le magazine Le Monde Inconnu en décembre 1988. Il s'agit d'accords passés entre les autorités américaines, le président Truman en l'occurrence, c'était en 1946-1947, et une espèce extraterrestre inamicale. Un organisme secret tout puissant fut créé sous le nom code de Majestic 12, autrement dit Majestic 12 ou MJ-12, où il est question de gris de ces êtres de petite taille. Nous y reviendrons. Sujet tabou que j'ai abordé et développé dans mes deux romans vérité, Ibi Alerte Rouge et L'Entité Noire dans Damouka, aux éditions Vaugirard, Presse de la Cité. Ce n'est pas de la fantaisie, ce n'est pas, hélas, de la science-fiction. C'est quelque chose de vrai, d'inquiétant, qui nous concerne tous, nous, les êtres humains. Des gens sérieux, de techniciens tels que par exemple Robert Hastings, qui est un éminent technicien en photographie aux États-Unis, que j'ai rencontré à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, va nous parler de certaines choses touchantes à cette horrible vérité. De façon générale, le gouvernement américain a classé top secret les informations concernant les ovnis depuis 1947. On peut dire que depuis 1953, la CIA a senti que ce problème concernait la sécurité nationale et elle a pris la relève de l'US Air Force pour la coordination des recherches concernant les ovnis. Cela continue encore aujourd'hui. J'ai un intérêt particulier pour les documents concernant les armes nucléaires. Un grand nombre de documents datant des années 40 ou des années 60 et 70 font état d'ovnis manœuvrant autour d'installations nucléaires telles que des silos, des centres de développement d'armes nucléaires comme Los Alamos, autour de dépôts d'armes nucléaires, dans les bases du stratégique Air Command. Les documents indiquent clairement que le personnel de ces installations décrivait des objets en forme de disques ou de soucoupes qui ne faisaient aucun bruit et qui parfois tournaient autour du silo à une altitude d'à peine 60 mètres. Des avions de chasse ont été lancés d'une base du Montana pour intercepter ces objets après qu'on les ait vus au-dessus de silos. C'était en novembre 1975. Les documents décrivent avec beaucoup de détails la venue de ces engins nuit après nuit sur une période de 2 semaines au-dessus des installations stratégiques de cette partie des États-Unis. Un ufologue français a, lui, vécu longtemps aux États-Unis, et particulièrement à Albuquerque et au Nouveau-Mexique. La région de Dulce ne lui est pas inconnue. Il s'agit de Jean-François Gilles, qui était un chercheur du CNRS, mais qui est devenu un ufologue. Un ufologue tout à fait au courant de ces problèmes qui nous cachent les gris. Jean-François Gilles, ces êtres, venus d'ailleurs, on les appelait les Ibis, E-B-E. Quelle en est l'origine? Non pas des Ibis, mais de l'appellation. Apparemment, ils ont été dénommés comme ça, ces êtres. On verra peut-être un peu après de qui il s'agit.
dès 1947, dès les premiers crashs, dès le crash de Roswell, par un des membres éminents du MJ-12, le docteur Detlev Bonk. Ce qui occasionne, à mon avis, la confusion avec le mot les gris, grays, le short grays, les petits gris. C'est que la dénomination EBE, EB, a été connue dans les années 80, à savoir pour nous à la fin des années 80, de même que la terminologie les gris, les grays, les petits gris, aussi à la fin des années 80. Mais l'expression gris, c'est une expression ouverte, c'est-à-dire qui était employée par les gens qui s'en occupaient, alors que l'expression EBE est une expression officielle employée dans des documents ultra secrets en 1947 et après. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les IBI, les gris, ne sont pas une œuvre d'imagination. Sylvie Houssay les a reconstitués tels que des portraits robots à la suite de divers témoignages. Bon, et prenons l'exemple du gris. C'est à partir du témoignage de Lully Oswald, qui habite au Brésil et qui est professeur de musique dans différentes universités. Et elle a été enlevée avec un jeune garçon, ami de son fils, et ils ont subi des examens médicaux, sexuels, enfin. Et sous hypnose, elle s'est souvenue de tout ça. Donc elle a fait la description bien détaillée de ces petits êtres de petite taille, 1m30 environ, aux yeux très noirs, très perçants, au visage triangulaire. Elle parlait par exemple que la peau ressemblait à celle d'un rat mouillé. Donc d'après toutes les descriptions qu'elle a fait en public, le 5 septembre 88, lors d'un congrès à Rio, j'ai pu, grâce à tous ces détails, faire ce portrait robot. Pour ce qui est de l'autre portrait robot, ça, alors, c'est après une trentaine de témoignages où j'ai pris tous les points communs. Et on arrive à peu près à ce personnage qui est déjà plus stéréotypé, un petit peu ce qu'on retrouve dans des films, dans des... c'est moins typé que le gris, là, poilu. Hein. George Andrews est un ufologue américain, un ufologue de pointe. Il est l'auteur de Extraterrestrial Among Us, qui n'a pas été traduit en français. Il travaille à un nouvel ouvrage, Extraterrestrial Friends and Foes, extraterrestres, amis et ennemis. Il va nous expliquer les dessous de ces accords secrets passés entre les IBI et les militaires ou le gouvernement aux États-Unis. La base, selon l'air du traité, c'est qu'en échange de la technologie militaire, nous devrions donner aux gris des bases souterraines. On devrait les permettre d'enlever des citoyens américains. Mais c'était compris à condition de les ramener sans leur faire du mal. En bon état. Les ramener en bon état. Et ensuite, ils avaient le droit de mutiler. Mais seulement des animaux. Seulement des animaux. Et ils devaient donner une liste des citoyens qu'ils avaient enlevés, MJ-12, au chef du projet. Donc, en résumé, ils donnaient de la technologie spéciale, oui, que nous n'avons pas encore, oui, en échange de quoi ils recevaient un petit pied-à-terre, oui, et la possibilité de faire quelques expériences inoffensives. C'était présenté comme une étude purement scientifique pour voir comment fonctionnait notre planète et tout cela. Mais quand ça a commencé à se gâcher, quand ils ont compris que d'abord, ceux qui ont été enlevés, ils avaient mis des implants. Comment dire des implants? Des implants. Des implants qui ont ensuite contrôlé ces gens, comme nous contrôlons des animaux sauvages à qui nous faisons des implants. On a enlevé beaucoup plus de citoyens que n'était prévu. Mm-hmm. Parfois, ceux qui ont été enlevés disparaissaient à tout jamais. Bref, que ça devenait une situation hors de contrôle. Et c'est à ce moment que, d'après John Lear, il y a eu une dispute au sein de MJ-12. Et il y avait ceux qui voulaient continuer à supprimer les informations, des autres qui voulaient tout dire au public pour les avertir de la catastrophe. Les gris souffriraient d'une grave carence génétique.
carence qu'il compenserait grâce à des enzymes prélevées sur des muqueuses de mammifères vivants. C'est l'explication des nombreuses mutilations animales constatées dans certaines parties du monde, et notamment aux États-Unis. Les humains, eux aussi, sont visés dans le cadre de ces expériences génétiques. Il y a deux cas, là bon, j'ai pas les noms dans la tête pour l'instant, mais on les trouve dans des tas de publications maintenant, de femmes qui se rappellent avoir été enlevées. L'une, dans un cas, c'était parce qu'elle avait assisté avec sa fille à la mutilation d'un veau. Alors voilà pourquoi on peut faire la connexion, le rapprochement aux histoires de mutilation de bétail. Donc cette femme a été enlevée avec sa fille, et évidemment elle avait très peur de subir le même sort que le veau, qui a été mutilé, une mutilation classique, les yeux, la langue, les parties sexuelles, pendant qu'il était vivant, bien sûr. Et à cette femme, on lui dit non, calme-toi, ça ira très bien. Ça, c'est juste un avertissement, quoi, en fait. Mm-hmm. Bon, et puis il y a un autre cas. Et il semble qu'une partie, bon, il y a une phase en ovni, et après, ça se passe dans un endroit souterrain. Alors pourquoi on dit que c'est souterrain, finalement, je suis bien en train de le dire. Hein, il y a toute l'enquête qui est à refaire. Mais, bon, là, effectivement, tout d'un coup, je ne vois pas si ça peut être dans un lieu très grand. Il semble que ce sont les personnes qui ont un sentiment intime qu'elles étaient sous terre, qu'on leur a dit. Bon, voilà. Et puis il faudrait dire à nos amis européens qui eux ne sont pas au courant parce qu'on n'a rien révélé. Il n'y a que nous, les ufologues avancés, qui avons répandu cette information. Il faut dire que les enlèvements de personnes sont nombreux aux États-Unis, en particulier les femmes. Il y a eu des régressions sous hypnose et l'on a appris que ces femmes, on les avait enlevées pour des raisons particulières. On peut en parler de particulier de nom. Particulière, tu veux dire que si on fixe la terminologie rencontre de troisième type quand on voit des entités, rencontre de quatrième type quand il y a un enlèvement, rencontre de cinquième type quand il y a des manipulations sur le corps de la victime, parce qu'on peut parler de victime, il s'agit dans la plupart des cas de gens qui ont été enlevés sans leur consentement, ce sont des crimes punis par la loi aussi bien aux États-Unis qu'en France, que partout dans le monde, quand il s'agit de femmes, il y a des cas où ces femmes sont apparemment fécondées, se retrouvent enceintes. Il y a des cas, justement, où, au bout de quelques mois, disons 3-4 mois de cet ordre, elles ne sont plus enceintes, alors qu'il n'y a eu ni fausse couche, ni avortement thérapeutique. Et il semble qu'elles aient été enlevées, parce qu'on a des cas d'abduction, je simplifie au maximum. C'est pas une seule source, ni un seul cas. C'est des tas de cas, des dizaines de cas, et un certain nombre de sources, indépendantes, complètement indépendantes à mon avis. Je pourrais expliquer pourquoi. Et donc ces femmes sont enlevées une première fois, fécondées, enlevées une seconde fois, le fœtus est prélevé, l'embryon est prélevé, et il y a même des cas où elles sont réenlevées une troisième fois, quelques années après, il y a présentation d'enfants. Il s'agit d'un enfant hybride. Il y a une source publiée qui est celle de, non pas de Whitley Strieber, mais de Bud Hopkins, dans le bouquin qui s'appelle Invaders, les envahisseurs. Je ne sais pas s'il est traduit encore en français. Non, et ça, c'est une source publique. On peut l'acheter dans des monoprix en Amérique. Comme le confirment diverses sources, les Gris ont installé d'immenses bases aux États-Unis. Selon John Lear, une des bases les plus importantes est située dans l'état du Nouveau-Mexique, près de la petite ville de Dulce. La base de Dulce était dans un coin particulièrement sauvage, mais un coin sauvage qui donne un peu parfois des sueurs froides. C'est à l'extrême nord-ouest de l'état du Nouveau-Mexique, c'est à 2000 et quelques mètres d'altitude, et dans ce secteur nord-ouest, il y a le mont Hachulete qui, lui, est à 2400 mètres d'altitude, en quelque chose près. Alors, ce qui est curieux, c'est que cette base, dont on pense qu'elle est une base leader, elle abriterait non pas 5000 ibis, comme je l'ai indiqué dans Ibis Alerte Rouge, mais environ 18 000, ce qui présuppose une base très importante. Ce coin sauvage est sur la réserve indienne Jicarilla. Ce sont des Apaches. Nous étions, quelques amis et moi,
dans la région vers le milieu du mois d'août 1991, nous avons vu ce secteur, c'est impressionnant. Nous avons interrogé des gens qui reconnaissent qu'effectivement, il y a plusieurs passages d'OVNI dans la région. Nous n'avons pas pu voir cette base. Nous espérons y retourner un jour. Je ne suis pas sûr que nous puissions la voir. Et on n'est pas sûr non plus d'ailleurs d'en revenir. Ça, c'est une autre histoire. Alors, voici deux témoignages importants. J'étais alors dans le désert au sud de Belén, au Nouveau-Mexique. Il y a une route qui va à Montaner, et j'étais à 8 km au nord de cette route. Je regardais la montagne au sud, lorsqu'il y a eu un flash lumineux au-dessus de cette montagne qui s'est dissipée. Et quand je suis allé sur place pour examiner, je n'ai pu trouver aucun débris d'aucune sorte. Voilà, avec tous les gens qui étaient... c'était au pied de, du Mont Achuleta. Oui, du Mont Achuleta, mais en fait, on était déjà sur les hauteurs. On était parti très haut et on dominait tout le Mont Achuleta. On était en haut du Mont Achuleta et on était sur un plateau. On avait trouvé un plateau pour camper et on avait fait un très bon barbecue que Gabriel Valdez nous a préparé admirablement. Le plus jeune fils de Gabriel dit « look », mais très fort, un look qui a surpris, une exclamation. Et on a tous levé nos têtes à ce moment-là et on a vu au-dessus de nous, dans le ciel qui était à ce moment-là devenu vraiment très noir, très après le coucher du soleil, on a vu une lumière, mais qui semblait éclairer toute la montagne, qui a formé un boomerang au-dessus de nous. Ça n'est pas parti droit, c'est parti, disons, de l'ouest et c'est allé à l'est. Et ça paraissait pas très loin de nous, en fait. Comme tu verrais un nuage au-dessus de toi, et d'une intensité extraordinaire. Je veux dire, j'ai jamais vu ça. J'ai pourtant vu des tas d'avions, j'ai vu des tas d'objets familiers voler. Et alors, à l'arrière de cette lumière extraordinaire, il y avait comme des étincelles qui se dégageaient de toutes les couleurs, de rouge, jaune et vert et bleu. Sur la face de la montagne. C'est la face de la montagne. Sans laisser de traces naturelles. Sans laisser de... Et pas le moindre... comme si ça s'était volatilisé. Comme un gaz, comme une bulle de savon quand elle éclate, pof, comme ça. Et Gabriel a aussitôt dit, je vous l'avais dit, on les voit tout le temps. Et effectivement, ce phénomène n'est pas rare à Dulce. Pour nous, c'était extraordinaire, c'était la première fois. Mais il disait que les Indiens témoignent d'au moins deux apparitions comme ça par mois. Au-dessus de la montagne, il les voit tellement qu'ils n'y font plus attention. Au-dessus du Mont Achuleta. Au-dessus du Mont Achuleta, essentiellement, mais toujours au-dessus de cette montagne. Comment une telle vérité a-t-elle pu être cachée, maintenue sous le boisseau par les autorités? Lorsque le Majestic 12 a vu le jour, dans le courant des années 40, cet organisme créé à l'instigation des Ibis, de ces êtres des bases souterraines, les autorités américaines ont contrainte. Fait le blackout, fait le silence et la censure. D'abord, en essayant de convaincre le monde scientifique que les ovnis, les extraterrestres, les soucoupes volantes, tout ça c'était de la foutaise et que ça n'existait pas. Beaucoup de savants, à l'époque, ont marché parce que ça entrait dans leur propre vue. Ça les gênait que nous ne soyons pas les seuls à être les plus beaux, etc. Bon. Après coup, il fallait véhiculer ces mensonges, cette intoxication criminelle, on peut le dire. Et pour le véhiculer, qu'est-ce qu'il fallait? Les médias. Alors, le monde savant, porte-parole du MJ-12 et du gouvernement secret, a induit en erreur les médias, qui à leur tour, en toute bonne foi, ont induit en erreur nous, les cochons de payant, toujours à payer pour les autres. Alors attention, méfiez-vous, amis, des déclarations officielles, quelles qu'elles soient, touchant les ovnis. Elles sont fausses. Le lieutenant-colonel Wendell Stevens, il y a 25-30 ans, a été nommé à un organisme militaire qui s'appelait le Project Blue Book, le projet Livre Bleu,
pour soi-disant enquêter sur les ovnis, avec ordre, en réalité, de les mettre sous le boisseau, d'étouffer la vérité. Wendell Stevens s'est vite aperçu qu'on voulait le manipuler. Il est parti. Il n'a plus voulu continuer dans cette voie du mensonge. Et il est devenu ufologue. Ça ne lui a pas apporté bonheur parce qu'on a essayé de le salir. Mais Wendell Stevens est un brave homme. C'est un homme qui a le courage de dire ce qu'il a vu, ce qu'il a appris. Et il nous en parle. I think that MJ-12 exists at a very high level. Le MJ-12 existe à de très hauts niveaux, mais probablement pas dans la structure officielle du gouvernement. Il n'y a aucune trace et aucune ligne budgétaire n'est prévue. Il obtient ses fonds de différentes façons. Nous avons découvert son existence en 1979. C'était une société très secrète, composée de 6 militaires et 6 scientifiques. Ils étaient chargés d'enquêter et de maintenir le secret sur tout ce qu'ils pourraient trouver relié au phénomène OVNI. Nous avions créé des équipes de récupération dans différentes parties du pays, ceci afin d'anticiper les problèmes à venir. Lors du crash d'Aztec au Nouveau-Mexique, nous avions une équipe juste à côté, de l'autre côté de la frontière, au Colorado. Ils ont pu observer l'approche de cet objet, visiblement hors de contrôle. Il y a eu des hélicoptères sur le lieu du crash, moins d'une heure après l'écrasement. Les hélicoptères tournaient autour du site. Des gens d'une équipe spéciale habillés en bleu foncé se préparaient à prendre le contrôle des lieux. Ils avaient un uniforme bleu sans marque que je connaisse, ainsi qu'un béret bleu. Ils ont pris en charge le secteur et ont fait partir toutes les autres autorités policières. Ils ont alors transporté l'engin vers un endroit secret. Nous pensons qu'il y a des résidus de ce crash dans un laboratoire près d'ici, ainsi qu'à Los Alamos et à la base 51 au nord du Nevada, et peut-être à d'autres endroits. Ces équipes ont donc transporté les débris et ils ont pris le contrôle du crash d'Aztec en très peu de temps et ont pu maintenir le secret. Il y a plusieurs arguments en ce qui concerne les personnes pour qui ils travaillent. Mais les membres clés du gouvernement sont également souvent membres du MJ-12. Plusieurs officiers étaient membres du MJ-12, et peut-être encore maintenant. Ce comité est chargé de contrôler le plus grand secret que ce pays ait. Ce secret est tel qu'aucun élu ou officiel n'a le droit de le connaître, car il pourrait partir avec ce secret. Donc, un officier ou un officiel du gouvernement doit avoir un besoin très spécifique pour avoir accès à ces informations. Et généralement, il est englobé dans le groupe ou la société, ainsi il ne divulguera rien. Nous avons déjà parlé de censure, mais il est peut-être bon d'aller plus avant dans ce domaine controversé, mais malheureusement sournois et bel et bien réel. Et ce qu'on a noté, c'est que le grand public est tellement conditionné par 40 ans de mensonges qu'il prend tout cela à la rigolade. La presse sérieuse ne parle des ovnis que pour rigoler, tandis que les tabloïds, ils font une censure à l'inverse. Ils exagèrent tout, on exagère et réduit à l'absurdité de cette façon-là. Et c'est très instructif que, par exemple, les tabloïds, le National Enquirer, le propriétaire, c'est en effet un ancien du CIA. Les médias ne sont pas les seules victimes. Il y a aussi des personnes, et vraiment victimes. Par exemple,
Tout d'abord, on a nié l'existence du MJ-12, c'était facile, ça rendait service aux canailles de la science et aux canailles des médias qui sévissent de par le monde. Mais il y a quand même des documents. Par exemple, cette lettre du président Truman adressée à James Forrestal, alors secrétaire à la défense aux États-Unis. C'était le 24 septembre 1947. Il lui parle du MJ-12. Vous êtes par la présente autorisé à procéder avec toute la vitesse et la précaution nécessaires à votre enquête. Ce sujet devra être référé exclusivement comme Opération Majestic 12. James Forrestal a exigé du président Truman de révéler la vérité au Sénat. On l'a convaincu qu'il était souffrant, déprimé, et qu'il était nécessaire de le garder quelques jours à l'hôpital Bethesda de la Navy, un grand hôpital au nord-ouest de Washington. Et là, trois agents de la CIA l'ont étranglé, ont attaché un drap autour de son cou, on l'a défenestré, et malheureusement, le drap a cassé. Ça fait mauvais effet, ça fait désordre, c'est ainsi qu'on a appris qu'il s'agissait d'un assassinat. D'autres cas sont connus, peut-être moins définitifs. Celui, par exemple, de Paul Benowitz. Docteur Paul Benowitz, qui est un industriel. Oh, c'est pas la maison Ford, c'est pas Chrysler, etc. C'est un petit industriel du Nouveau-Mexique qui, un jour, sur son ordinateur, a capté un dialogue entre Kirtland Air Force Base, c'est de la base de l'Air Force, qui est mitoyenne de l'aéroport d'Albuquerque, l'aéroport civil, et une autre source qu'il pense avoir identifiée, en celle de Dulce, la fameuse base. Alors il a été sidéré de comprendre que cette base IBI, extraterrestre, communiquait avec une base de l'Air Force. Et il a dit, je vais me mettre dans le circuit. Et Kirtland lui a dit, oui, c'est peut-être intéressant, on va se voir. Et là a commencé une abominable intoxication qui a diminué Benowitz. Bien, on a la confession de Bill Moore au congrès du MUFON en 1989 à Las Vegas, où Bill Moore s'est accusé, a fait des aveux en public devant 400-500 personnes. Et j'y étais, et comme quoi il avait participé à un travail d'équipe pour déstabiliser, pour détruire l'équilibre affectif et émotionnel de Benowitz. Et qu'il y avait de nombreux, par exemple, bris de domicile, comment ça s'appelle, effractions. Il déplaçait des objets, il faisait des petits montages avec des personnages, mettons, déguisés dans sa rue. S'il appelait un membre de sa famille, le temps que la personne arrive, bien entendu, il n'y avait plus rien. Et n'importe quelle personne, même la plus solide, si on fait ça suffisamment longtemps, avec suffisamment de savoir-faire, ouais, et il y a du savoir-faire, la personne craque. Now. Si on croit ce que dit Bill Moore, Richard Doty de l'US Air Force lui aurait ordonné de fournir à Paul Benowitz de fausses informations. Cela afin de le mettre à mal. Il affirmait qu'il y avait des atterrissages d'OVNI au Nouveau-Mexique, et ainsi de suite. La vérité sur tout cela, je ne la connais pas. Mais je sais qu'entre les années 80 et 90, il a été fourni en fausses informations par l'US Air Force, sans la moindre raison. Quand je l'ai rencontré, je ne suis pas un professionnel de la santé mentale, mais je dirais que sa santé mentale était plutôt précaire. L'un de nos reporters s'est rendu à Montréal en octobre 91 pour y rencontrer, le contact était d'accord, le rendez-vous était pris, pour y rencontrer un ésotériste, grand amateur d'étrangeté et d'OVNI, qui devait nous parler de ses recherches, etc. Et comme c'est le cas fréquent dans le problème de l'ufologie, il y a eu un incident de parcours, un incident de route. Il s'est rétracté, il nous a posé des lapins, et notre reporter n'a pas pu agir. En France aussi, il y a des preuves de pression, je dis bien. Vous savez, ou ne savez pas, il est important de vous l'expliquer, que les archives publiques sont régis par des lois sévères, à bon escient d'ailleurs,
on ne peut pas les divulguer n'importe quand, il y a un rituel à respecter. Ce que vous ignorez, ami, c'est que sont classés archives publiques tous les rapports de gendarmerie concernant les témoins d'observation d'OVNI, d'atterrissage ou de rencontre du troisième type. Alors, dans le journal officiel du 5 janvier et dans le journal officiel du 12 décembre 1979, vous pouvez me le procurer pour quelques francs en photocopie. Il est précisé que si les archives publiques concernent une personne, bon, la divulgation ne peut être faite avant 50 ans. Mais imaginez un gendarme qui, pour des raisons personnelles, ne croit pas aux ovnis, est contre les ovnis, n'aime pas les ovnis, ni les ufologues, il va chercher la petite bête, parce qu'il connaît la loi, un gendarme connaît la loi. Alors il va demander au témoin, voilà, Madame Dupont, Monsieur Durand, vous dites avoir vu un engin, etc. Très bien, vous allez bien, vous avez une bonne santé? Ah oui, absolument, la dame lui dit, ah, mon Dieu, j'ai fait une égratignure, j'ai encore au pied, mais tout va bien. Le gendarme note, Madame Dupont nous a déclaré ce jour souffrir d'une petite égratignure et de corps au pied. J'exagère. Mais ça, c'est une connotation de santé. Et la censure n'est pas de 50 ans. Elle est alors de 150 ans. Mais en France, la censure n'existe pas. On nous prend donc vraiment pour des crétins. Notre groupe d'ufologues de pointe, d'extrême pointe, d'ufologues qui savent prendre des risques. Il y a Alain Aranguis, qui est un jeune chercheur de CNRS, et Patrick Gamme, qui est un technicien de l'EDF. Ils ont eu à pâtir, tout comme moi d'ailleurs, de menaces, de harcèlement. Et Patrick Gamme va nous raconter ses propres problèmes. Oui, c'est suite on est rentré à l'IMSA, au conseil d'administration de l'IMSA, et ça a commencé le 7 septembre 1985. Alain venait de rentrer de congé, et puis ça a commencé par des coups de téléphone, anonymes bien entendu, relations, c'est-à-dire qu'on nous mettait en communication sans qu'on appelle Alain et moi-même, c'était des lettres anonymes, détérioration sur les véhicules, et ça a duré pendant plusieurs mois. Alors, Patrick nous a parlé de septembre 1985. C'est à peu près à ce moment-là que je mettais une main un peu définitive à un bouquin documentaire qui s'est appelé Le monde étrange des contactés. Ça plaît aux canailles du MJ-12. Et ça s'est intensifié. Et un soir, nous avions rendez-vous, Patrick Gamme, son épouse Bernadette, Alain Aranguis et Brigitte, son épouse, ma femme et moi, pour dîner et parler de nos problèmes. Et nous étions donc chez moi. Nous nous installons et là, c'est devenu l'enfer. Jusqu'à 1h du matin, l'heure à laquelle nous nous sommes séparés, les agressions téléphoniques n'ont pas cessé. Absolument. N'ont pas cessé. Et c'est là que, exaspéré, j'ai sorti mon automatique. Je n'ai pas tiré sur le téléphone, évidemment. Mais j'ai actionné la culasse et j'ai dit à celui qui était au bout du fil, dont j'entendais la respiration, je lui ai dit, espèce de, j'ai dit un mot rimant avec Ebinard. Je lui ai dit, espèce de, j'espère que tu as compris ce que c'était que ce bruit que je viens de faire, et en l'occurrence, j'espère aussi que tu tireras plus vite et mieux que nous, si un jour nous sommes confrontés. Et c'est là que nous avons, quelques jours après, reçu une lettre anonyme, bien sûr, de l'un de ces individus qui nous harcèlent, en disant « Oui, mais moi, j'agis contraint et forcé, j'ai des enfants. » En parlant vulgairement, il avait la trouille. Et aujourd'hui, nous sommes, disons, vers le dernier trimestre 1991, le harcèlement téléphonique continue. Allô, Jimmy, décroche. Ah, salut. Oui, salut, c'est Bitoncule. Ce qui m'ennuie, c'est qu'un jour, j'ai reçu un sachet de poudre blanche. Dans cette enveloppe, postée à Marseille le 15 novembre 89, à la Poste République à Marseille. Je suis allé avec mon épouse à la gendarmerie centrale d'Aix-en-Provence, sur la route de Nice. Et j'ai dit à l'adjudant Vianney,
J'ai su son nom. Voilà ce que j'ai reçu. Pouvez-vous me dire ce que c'est? Vous avez un laboratoire? Ben alors, il a pris le sachet. Il est monté au premier étage et un quart d'heure, 20 minutes après, il m'a dit, M. Gueux, rassurez-vous, c'est du sel d'ammoniac. Je lui dis, d'accord. Aujourd'hui, c'est du sel d'ammoniac. Et si demain, je reçois autre chose? Et si d'aventure, au moment où j'ouvre le courrier, puisqu'il est distribué vers 12h30 chez moi, si au moment où j'ouvre mon courrier, on frappe à la porte et que je suis en présence de Maître Dupont-Durand, huissier, et on me dit, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ben, je dirais, je ne sais pas, je viens de le recevoir. Comment puis-je prouver que je ne tripatouille pas de la drogue? Si, effectivement, on vous en envoie un sachet par la poste et que dans le même temps, on vous dénonce pour trafic de drogue, vous aurez les plus grandes peines du monde à vous disculper. Je ne veux pas dire que ce serait impossible, car sinon nous perdrions tout espoir dans la justice française, mais quand je dis les plus grandes peines, je veux dire que ce sera pratiquement impossible pour vous de vous disculper. C'est-à-dire qu'effectivement, la seule attitude raisonnable, c'est de téléphoner immédiatement à la gendarmerie. J'ai lu dans la presse, récemment, nous parlons en ce moment, le 25 juin 1991, j'ai vu ces derniers jours des articles concernant une loi sur la répression de la désinformation. Alors là, ça m'inquiète, parce que les canailles du MJ12, qui est le gouvernement secret qui opprime la planète Terre, et ses multiples correspondants, ses multiples complices, jusqu'au plus haut des nations, s'ils décrètent que les ovnis n'existent pas, que les extraterrestres n'existent pas, et que je fais de la désinformation, comment vais-je m'en sortir? Là encore, chaque loi intervient à travers un pouvoir politique. Le pouvoir politique donne l'orientation de la loi. Il est bien évident que s'il ne s'agit que d'une loi pénale, d'une intervention sur la répression, par exemple, du trafic de drogue, il n'y a pas d'intervention politique à faire. C'est une intervention qui se fait à travers le parquet. Ceci est tout à fait classique. Maintenant, une loi sur la répression de la désinformation est effectivement éminemment dangereuse parce qu'il suffira au pouvoir politique de qualifier une information de fallacieuse ou de fausse ou de désinformation pour faire entrer cette information de facto dans le cadre du champ d'application de la loi pénale et donc de poursuivre certains comportements qui sont considérés comme étant de la désinformation. Effectivement, vous n'aurez absolument aucun moyen de vous en sortir si un pouvoir politique a décrété que les ovnis n'existaient pas et que le fait d'en parler était considéré comme de la désinformation ou une attitude anti-française ou contraire à l'ordre public français ou risquer de causer un trouble à l'ordre public français. À ce moment-là, effectivement, vous n'aurez pratiquement aucune chance de vous sortir de cette situation, sauf à amener à ce moment-là devant les juges médusés un petit homme vert sur le bureau du magistrat de toute façon ne pourra que prétendre qu'il s'agit d'une poupée puisque nous savons tous que les ovnis n'existent pas dans le gouvernement. Des pressions s'exercent aussi en France. Pourquoi? Parce que les gris ne sont pas exclusivement aux États-Unis. Ils sont partout, et même chez nous, dans notre sous-sol. René Varino, tu diriges depuis de nombreuses années le CEOF, le Centre d'études OVNI... France, oui, il faut bien le préciser, qui publie le bulletin Contact OVNI. Et nous nous sommes retrouvés aujourd'hui sur le site du plateau d'Albion, autour duquel nous avons passé des nuits et des nuits d'observation depuis la décennie écoulée. Et là, un jour, un vieux monsieur... Oui. A vu quelque chose. Comment les choses se sont passées? Oui, ben, effectivement, ce vieux monsieur dont tu parles là est une personne, un retraité qui vit ici à Saint-Christian, qui vivait ici à l'époque puisqu'il est mort. Et cette personne-là a rencontré une autre personne que nous connaissons, un fonctionnaire. Oui, c'est un fonctionnaire sur Marseille là que nous connaissons. Et ce fonctionnaire était en train de faire des études de recherche.
ici sur le plateau d'Albion. C'est au moment où il y avait les fameux travaux de la base qui s'installaient, bien entendu. Oui, fin des années 69, début 70. À peu près. Gigantesque chantier. Ah oui, oui, il y avait un chantier énorme. Et donc notre bon vieux monsieur, notre retraité, promenait là dans la région comme il avait la coutume de le faire, évidemment. Et il a confié à notre ami que il n'en aurait pas parlé à tout le monde à ce moment-là, mais effectivement, il avait rencontré lors de l'une de ses promenades, sortant d'un taillis, un petit être comme nous connaissons les ibis en ce moment, qu'il a décrit textuellement ce petit être comme les ibis que nous connaissons. Mais à l'époque, évidemment, on ne connaissait pas encore l'histoire des ibis qui se passe actuellement en Amérique, bien entendu, dans les bases militaires, et dont nos travaux nous ont amenés à faire des études dont tu as participé aussi, avec nos veillées et tout ça, et à concrétiser cette observation qui avait été faite, puisque nous avons eu d'autres rapports concernant la région sur cette affaire-là. Alors parlons un peu plus en détail de ce plateau d'Albion, qui est le site du 1er régiment de missiles à ogive nucléaire. Il faut savoir que sur le plateau, l'on a recensé 350 avennes, cavernes et gouffres, certains d'une importance impressionnante. Il faut savoir aussi que des études ont été faites systématiquement, et il y a un magnifique ouvrage, les cavernes d'Albion, faisant un tas de recherches hydrologiques et spéléologiques, par le groupe de l'AREPA, qui est un groupe de professionnels de la spéléologie, sous la houlette, sous la coordination de Gérard Gobert. Faisons un retour en arrière et nous allons savoir qu'un groupe de spéléo-amateurs, c'était des jeunes, il y a un certain nombre d'années, qui n'ont rien à voir avec le groupe de l'AREPA, mais vraiment rien à voir, un jour descendent dans l'un de ces gouffres et, après avoir emprunté plusieurs puits, plusieurs trajets horizontaux, descendent à une assez grande profondeur. Et là, l'un d'eux, le meneur du groupe, une salle étrange. Oh, c'est pas une caverne, c'est un énorme parallélogramme, avec un parquet laiteux. Et au sortir du puits qui donne accès dans cette salle, le spéléo en question tombe à l'arrêt parce qu'il y a 5 ou 6 sièges de forme bizarre. C'est tellement impressionnant qu'il remonte, dit à ses amis, nous reviendrons filmer, j'ai découvert quelque chose, je vais vous expliquer. Ils reviennent 15 jours, 3 semaines, 1 mois après, avec des appareils photographiques, caméras, et ils s'aperçoivent que le puits d'accès a été bétonné. Ils ne peuvent plus retourner sur ce site. Ce qu'il faut savoir aussi, et ça c'est inquiétant, c'est que des groupes d'individus, tous de noirs vêtus, que j'appelle dans l'entité noire d'Andamuka les forces Delta, prennent possession de la base, se livrent à des travaux mystérieux. Ces individus apportent leur propre ration alimentaire. Ils ne mangent pas à la cantine, au mess. Ils viennent avec leur propre véhicule et ils repartent d'eux-mêmes. Et à ce moment-là, l'état-major reprend possession de sa base. Certains braves bidas, il y a un certain nombre d'années, je reste volontairement vague, ont vu ce qu'ils n'auraient pas dû voir, à savoir, dans une grande salle, à un premier étage, où se trouvent des ordinateurs, ils ont vu une dizaine de ces individus au teint blafard. Il ne s'agit pas de petits gris, ces individus ont l'aspect humain, mais ils sont bizarres. L'un de ces êtres a vu qu'un militaire regardait. On s'est emparé de ce brave garçon. Il est sorti de la base, on l'a conduit à l'extérieur, on l'a tabassé. Un passage à tabac en règle qui lui a valu 2 mois et demi d'hôpital. Ses camarades, au bout d'un certain temps, ont appris qu'il était en traitement à l'hôpital, ont été autorisés à le voir, à titre d'exemple. L'un de ses amis intimes m'a parlé, en présence de 5 témoins. Nous avons enregistré cela, nous avons planqué, excusez le terme, et dispatché ces enregistrements. Nous devions nous revoir, il devait essayer de convaincre l'un de ses camarades de nous parler plus avant, et tous deux ont disparu. À une 30aine de kilomètres, à l'est du plateau d'Albion, donc pas loin, se trouve l'OHP, l'Observatoire de Haute-Provence, à Saint-Michel l'Observatoire, près de Fort-Calquier. Cet observatoire, nous l'avons interrogé
à deux reprises pour lui demander son contre-avis, en quelque sorte, sur les ovnis. Ce fut toujours une fin de nous recevoir, ainsi que le montrent les lettres que vous pouvez lire vous-même sur l'écran. Et pourtant, cette feinte ignorance dissimule, non pas un, mais plusieurs secrets. Nous avons eu la chance d'avoir dans nos relations, depuis peu de temps, grâce à mon voyage aux États-Unis, des contacts avec, appelons-le le professeur Duchemol. Ce chercheur a travaillé à plusieurs reprises, et pendant longtemps, à l'Observatoire de Haute-Provence. Il y a découvert un certain nombre de secrets. Et je vous assure que, après ce qu'il va nous dire, nous allons devoir, pour sa sécurité, distordre électroniquement sa voix, cacher son visage. Mais je vous donne ma parole que ce qu'il dit est vrai. Et si je dois choisir, moi, un des vieux de la vieille de l'ufologie, qui a l'habitude des traquenards et des campagnes de contre-vérité, c'est sa parole que je vais croire. Il y aurait des souterrains à l'OHP. Il est exact qu'au moins trois tunnels sont disposés sur le site. L'un fait une centaine de mètres devant les bâtiments qui abritent les services techniques et des laboratoires. Dans ce grand tunnel, il y a plusieurs armoires de métal. L'une de ces armoires contient d'innombrables photos de soucoupes volantes, les unes envoyées par des témoins, les autres prises par des astronomes au télescope. On appelle cette armoire spéciale l'armoire secrète. Ces clichés n'ont jamais été réexpédiés à ceux qui les ont envoyés. Il y a aussi des pièces secrètes. Il y en a même une qui est blindée. Elle renferme des stocks de photos tout aussi secrètes. La pièce secrète n'est pas souterraine. Elle est voisine du laboratoire et de l'administration. Ok. En quelles occasions avez-vous appris tout cela? No comment. J'ai pris beaucoup de précautions pour rejoindre M. Lieu et pour venir dans ce studio. J'ai redoublé encore de précautions en m'assurant que je n'étais pas suivi. Vous ne connaissez pas ma véritable identité, cela dans mon intérêt et dans le vôtre. Je ne répondrai pas à votre question. Même en étant étranger à votre pays, j'encours des risques. Pouvez-vous nous donner des détails sur ces risques? Non, l'entretien est terminé. Bonne chance, monsieur Lieu. Et soyez très, très prudent. À propos de secrets, je crois qu'il faut rendre hommage à une agence de presse en particulier, l'ATP, l'Agence Transcontinentale de Presse, qui scrupuleusement répercute les informations concernant les ovnis. Elle n'est pas responsable, évidemment, de l'autocensure pratiquée par certains journaux. D'autres journaux sérieux, le VSD par exemple, n'hésitent pas à publier des articles sans se moquer. C'est tellement facile de rire de façon imbécile des ovnis. Nous avons également Les Hommes Volants. Il s'agit d'une revue parachutiste, une revue très connue depuis 1949, qui n'hésite pas à présenter des articles de fond. Il y a naturellement des revues spécialisées, Contact OVNI par exemple, ou encore Phoenix, ou bientôt Chetty, enfin l'IMSA, l'EM qui va changer de look, et UFO Bulletin de Billy Baroni. Tout ça est extrêmement intéressant et je pense que ça mérite d'être indiqué dans cette période d'intox, de campagne de contre-vérité, de debunking, diraient nos amis américains. Ça n'exclut pas, bien entendu, le danger, les dangers. Il existe un certain nombre de contactés, de gens qui ont eu des contacts avec les occupants des engins, mais il y a des choses plus subtiles, plus mystérieuses. Des gens qui ont reçu des implants, comme cette jeune femme, Claudia Roux, qui est artiste peintre, comme son époux, Roger Roux, et qui a vécu dans son enfance une aventure curieuse. Vous êtes parti en colonie de vacances dans le... En Haute-Savoie. En Haute-Savoie. Oui. Alors, vous aviez quel âge? J'avais 12, 13 ans. Bon, bien sûr, comme tout enfant en colonie, on est habillé en short, en basket. Et on arrive près du camp, parce qu'à ce moment-là, on faisait un camp. Et mon lacet de tennis était défait. Alors je me suis accroupie et en me baissant,
étant bien évidemment mon genou s'est plié, et c'est à ce moment-là que j'ai vu quelque chose sortir de mon genou. Et j'étais avec ma petite camarade. Bon, ça m'a pas semblé inquiétant sur le moment, mais lorsque j'ai vu que ça sortait régulièrement, alors c'était ici, juste là. Bon, j'ai toujours eu l'impression que c'était un peu comme un périscope, parce que ça sortait régulièrement, sans interruption. Quel était l'aspect ? Marron, un peu comme du bois. Marron et strié de marron plus clair. C'était pointu en haut, pointu en bas, grand de ça à peu près, et poli, comme un galet poli par l'océan, et un peu visqueux, comme huilé. Bon, et lorsque cette chose est sortie et que la motrice l'a jetée, bon, ça faisait un petit trou. Et juste après, dans la journée, ça n'a pas saigné. Ça s'est fermé et plus rien. Plus de traces. Bon. Il n'y a plus eu de traces pendant des années. De longues années même. Et un jour, je me suis aperçue... je ne l'ai pas vu grandir. Disons, je m'en suis aperçue d'un seul coup. Ça y était pas et le lendemain, ça y était. Parce que je ne l'ai pas vu venir. Et j'ai eu donc... cette chose que l'on appelle maintenant, je le sais, un kyste de rejet, c'est-à-dire que le corps qui a eu quelque chose forme un kyste parce qu'il y a eu un corps étranger. Et quelques années plus tard, ce kyste, disons deux fois dans la semaine, après ça passait, ça cessait pendant des mois, me faisait une douleur, mais très très violente, et j'ai dit un peu comme une douleur qui serait venue de l'extérieur, passant par le centre de mon corps et passant tout droit. Et un jour, ça s'est arrêté, je n'ai plus rien senti, je n'ai plus rien vu, et j'ai ça, il n'y a plus de manifestation, il n'y a plus rien. Tout au long de cette vidéocassette Vérité, il a été question essentiellement des short greys, des petits gris, ces êtres de petite taille, qui sont à tout le moins inamicaux. Mais je ne voudrais pas qu'on se méprenne. Nous estimons qu'il y a une trentaine d'espèces différentes d'êtres venus d'ailleurs, qui, à des degrés divers et pour des raisons précise qui nous échappe, s'intéresse à nous. Mi-avril 1954, Edward Air Force Base, une base de l'Air Force, en Californie. 5 vaisseaux extraterrestres se posent. Roger Roux a reconstitué fidèlement cette scène que l'on connaît bien, qui a été étouffée. Eisenhower a rencontré des êtres d'apparence humaine qui n'avaient rien à voir avec les short grids, les petits gris. Ces êtres lui ont tenu à peu près ce langage. Vous, les terriens, vous auriez besoin qu'on vous aide. Nous sommes prêts à le faire, mais il y a une condition. Vous vivez une ère de matérialisme. Vous manquez de spiritualité. Vous vous battez. Vous utilisez des armes nucléaires. Nous voudrions que tout cela cesse. Et à ce moment-là, nous ferons les quelques pas qui nous séparent et nous viendrons vous aider. Eisenhower, qui connaissait les accords secrets du MJ-12, a dit non. Les terriens ne sont pas prêts pour cela. Revenez dans 30 ans. Comme on dit à un enfant un peu turbulent, écoute, pose plus de questions, tu comprendras quand tu seras grand. Nous avons de sérieuses raisons de penser que ces êtres qui ont pris contact avec nous à travers le président Eisenhower en 1954 aux États-Unis sont des êtres pacifiques. Dans notre jargon d'ufologue sérieux et de pointe, nous les appelons les grands blonds. Bien sûr, il n'y a pas que des blonds. Alors ces grands blonds ne sont pas les seuls, eux non plus, à être positifs. Il y a d'autres cas, d'autres exemples. Nous allons l'aborder et nous verrons plus tard si nous devons nous en réjouir ou bien nous en inquiéter. Nous sommes dans les collines de Beaunieu, dans le Luberon, en Provence, et... Madame Denise Bell, à la mi-septembre 1975, vous êtes venue, vous, comme ça vous arrivez, vous vous promeniez avec votre chien. C'était le soir. Oui. Le soir, la nuit était tombée. C'était le 15 septembre, la nuit était tombée, voilà. Il y avait des étoiles. Mais vous étiez préoccupée ce soir-là. Oui, j'étais préoccupée parce que j'étais atteinte d'un cancer à la thyroïde, du côté gauche, et un mois avant, le service du professeur... Son assistant m'avait dit qu'un autre nodule
m'étais venue sur la droite et que je devais envisager l'opération, c'était impératif. J'étais un peu tourmentée et puis j'avais mon chien et mon chien il file comme ça dans le buisson. Et moi, à partir de cet endroit, j'ai été prise d'une espèce de malaise, de colique. Je me suis éloignée là dans le virage là-bas. Et j'ai dû m'accroupir et j'ai dû vider mon ventre. Hein. Et sur cet arbre-là, il s'est développé une lumière que l'arbre, il est tout petit à côté, voyez-vous. La lumière est restée absolument à sa place, elle tremblait toujours. Et là, il est apparu un rectangle orangé, voyez-vous. Mais dans le corps de la lumière ou ailleurs? À la base de la lumière. Sur le sol ou vertical? Non, vertical. Ah, vertical, ça c'est très important. Oui, ça faisait partie de ce bloc de lumière, j'en suis sûr. Bien. Je voudrais revenir, Denise Bell, sur cette sensation quand quelque chose vous a immobilisé ça, derrière, vous a serré. C'était pas une main, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas senti que c'était une main. C'était la position de quelque chose qui était au moins large comme 4 doigts, voyez, mais beaucoup plus épais, et qui m'a fait simplement prendre comme ça. Et je me suis trouvée la gorge offerte à cette lumière. Ah, voilà. Vous voyez, c'est là que je dis qu'il y a eu des soins de fait. Bon, vous êtes ensuite rentré chez vous, vous avez dormi. Normalement. Et le lendemain, donc, vous vous êtes rendu à l'hôpital. Et là, donc, on vous a examiné. Voilà, l'assistant du professeur m'a reçu. Il a tâté un peu ce côté gauche, ce côté droit. Il est revenu, il n'en finissait plus. Et il m'a dit, écoutez, je ne comprends pas, je vais aller chercher l'autre assistant. Il est allé chercher l'autre assistant. Celui-là a fait la même chose et il a dit, je vais chercher le professeur. On m'a dit que j'étais guérie. Ils ont constaté une guérison complète. Ah, il a dit, il n'y a plus rien. Mais j'ai dit, plus rien, je peux reprendre mes activités. Il m'a dit oui. Alors imaginez-vous un peu la joie que j'avais. Et alors là, il y a une chose, c'est que moi-même, je ne m'en rendais pas compte, j'avais une énergie que je n'avais jamais eue avant. Je me suis trouvée des énergies, de l'assurance, mais ce n'est pas possible. Ça m'a complètement transformée, ça m'a complètement changée. Je voudrais vous raconter une histoire extrêmement banale et fantastique à la fois. En août 91, j'étais au Nouveau-Mexique, et je suis allé avec mon épouse et quelques amis au marché annuel artisanal indien de Santa Fe. J'abrège, nous étions une foule considérable. Mes amis étaient allés chercher des vivres pour pique-niquer. Et ne les voyant pas, je pars à leur recherche. Et je m'écarte un peu, ne les trouvant pas. Et une voiture s'arrête au bord du trottoir. Et j'entends « Hi Jim », c'est-à-dire « Salut Jim ». Personne ne m'appelle ainsi. Je me retourne, je vois une voiture, une grande voiture, un homme qui est à droite, cheveux grisonnants, 40-45 ans, qui me sourit de façon sympathique, derrière 3 hommes, que j'estime être, à tort ou à raison, des vétérans du Vietnam. C'est cette image qui me vient. Je dis à cet homme, mais vous me connaissez? Il me dit, oui, bien sûr, nous vous connaissons, savons ce que vous faites, vous êtes dans la bonne voie. Continuer, nous apprécions. Et il s'en va. Alors je marche auprès de la voiture, je lui dis, mais enfin, ne partez pas comme ça, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Au moins, on va se revoir. Maybe later. Plus tard peut-être. Et il s'en va. C'est banal. Mais c'est fantastique, car enfin, qui sur la planète Terre savait qu'à ce moment-là, ce jour-là, vers 12h30, j'allais me trouver à Santa Fe, où je ne connais personne, où je n'avais jamais mis les pieds? Je crois que ces hommes étaient des gens de la CIA, mais pas les MIB, The Men in Black, les hommes en noir, pas les sinistres agents exécuteurs du MJ-12. C'étaient les bons, comme il existe dans le KGB également des bons. Alors c'est intéressant parce que ça autorise à penser que, à un haut niveau, la résistance est en train de s'organiser. Je crois que c'est important parce que nous avons eu des précédents. C'était le signal, c'était l'indicatif des émissions de Radio Londres. Ces émissions qui apportaient une bouffée d'espoir de la part d'un inconnu qu'ils appelaient le général de Gaulle. Bien sûr, je ne suis pas le général de Gaulle numéro 2. Je ne vous dis pas, armez-vous, planquez les armes, on va s'entraîner, on va les foutre dehors, les grilles. Non, pas du tout.
C'est un simple rappel. Car la résistance est en train de naître. Je crois que c'est une bonne chose. Rappelons-nous aussi ce qui s'est passé à Edwards Air Force Base en avril 1954, quand Eisenhower a rencontré les grands blonds. Il leur a dit, revenez dans 30 ans. Faire la paix, ne plus nous battre, nous désarmer, tout ça, on verra plus tard. Que se passe-t-il depuis 2 ans? La chute du mur de Berlin, la réunification de l'Allemagne, la libéralisation de la Russie grâce à la perestroïka, à la glasnost de Gorbatchev, de Boris Eltsine, Chevanadze qui vient de revenir. C'est encourageant. Tout cela ressemble à l'application graduelle des blonds qui nous ont dit en quelque sorte « Aidez-vous et nous vous aiderons plus tard ». Je crois que ce plus tard est en train d'arriver. Alors c'est une fantastique bouffée d'espoir. Et malgré l'inquiétude des gris qui sont sous nos pieds, je crois qu'il faut espérer. Il faut espérer. Tout en faisant quand même un clin d'œil à nos frères de l'espace, aux chevaliers de lumière, avec notre ami Silvio Houssaye, qui est un merveilleux illustrateur, mais qui est aussi un auteur, compositeur, interprète de talent. Mais avant cela, une conclusion provisoire avant d'autres cassettes de cette série Les Portes du Futur. Que la force soit avec vous et avec nous. Alerte rouge, les terriens parlent aux terriens. Il est temps de lever la tête, il est temps d'ouvrir les yeux. Notre triste planète attend le retour des dieux. Nous avons saisi le message de leur rendez-vous répété. Chevaliers de lumière, vos enfants sont fatigués. Ici l'on tue, on se déchire. La Terre est un étrange navire. On nous ment, on nous plonge dans des abîmes de mensonges. Pieuvre média, crache ton encre pour mieux nous aveugler. Crache, crache, tu devras un jour cracher la vérité. Il y a ceux que l'on soupçonne, il y a ceux que l'on maillonne. Ils racontent des histoires d'ovnis. Connaissez-vous la dernière en Arkansas, en Australie? Il y aurait sous la terre des tigris, des hibis. Il est temps de lever la tête, il est temps d'ouvrir les yeux. Notre triste planète attend le retour des dieux. Dans le ciel des cathédrales et de grands chariots de feu, au-dessus des capitales, vous n'en croirez pas vos yeux. Il est temps de lever la tête, il est temps d'ouvrir les yeux. Notre triste planète
attends le retour des yeux, il est temps.